Et de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que se passe-t-il? Oh, vu la couleur, c'est pris ça. Bonne année! Quick. Oh les bâtards! Oh, oh non, les bâtards! Non, non, non. Oh les bâtards! Oui. Oh! Yeah! Wow! Ils sont sérieux là? Ils ont raison, ils ont totalement raison. Oh mon dieu! Ils sont sortis Wolfenstein, puis Doom, maintenant ils sortent Quake. Allez. Ah bah justement, c'est dans la logique finalement. Ouais, bah ouais. C'était soit l'imitation, soit c'était Quake, soit c'était Wolfenstein 2 quoi. Et après, ça se trouve, il y aura un Wolfenstein 2 en plus. Oui, il y aura peut-être Wolfenstein 2 aussi. Hein. Vu que Wolfenstein est plus solo et Quake plus multi, on verra. Mais mine de rien, Doom, Quake et potentiellement Wolfenstein, c'est vraiment un couloir FPS à l'ancienne quoi. Oh yes! Ouais, les bons vieux FPS dans le temps que je les aime. Alors là, clairement, on vient d'avoir peut-être la plus grosse qui annonce. Vraiment moi aussi. De FPS que j'adore. Ah bah, là on va peut-être avoir la plus grosse annonce de l'E3 là. Quake. J'ai commencé tout à l'heure en fait donc Vous avez préparé la nuit sur Quake? Je suis dessus, j'ai commencé et je vais la dire finir. Oh la madame Champions. Bah là ça annonce carrément que du multijoueur d'ailleurs. Ouais, ça annonce carrément ça. Oh parce qu'ils vont faire la Henry Tournament. Non. Ouais, c'est multijoueur avec le truc free to play. Bah là on va voir le mec qui va parler de ça. Je suis hypé là. Oh moi aussi. Ah, ça.